Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, mettons-nous au travail. J'ai fait le chemin, donc j'ai fait le petit chemin par là. Voilà, pour aller chercher le Catharium. Le problème étant, c'est qu'il y a un gros rocher sur le Catharium. Voilà, bon, ça se voit pas trop. Je sais pas si on va pouvoir le voir d'ici, je ne pense pas. Oui, donc comme je disais... J'ai vraiment fait ça, moi. Oui, il y a un... Non, bon, on voit pas. Il y a un gros rocher sur le Catharium, ce qui fait qu'on n'y a pas accès. Donc, ce qu'on va faire... Ce dont on a besoin, plutôt, c'est un obélisque. Pour casser le rocher. Or, je n'ai pas les technologies nécessaires et je me demande si le obélisque, j'ai pas besoin de débloquer du détonateur là. Je pense que j'ai besoin de débloquer les technos. Donc on débloque la poudre noire. J'ai miné un peu de soufre. Putain, en plus c'est chiant les soufres. J'ai que de l'impur dans le coin. Donc c'est un par un. C'est minage à la main un par un. Terrible. Research completed. Black powder recipe unlocked. Donc, obélisque. New voilà. Sulfur ça research available. Oh, je vais devoir pour le débloquer, ça va être il faut de la poudre sans fumée. Ah mais attends, on a changé. Ah plastique. Ah non, à mon avis un truc dans tous les cas je vais avoir besoin de beaucoup de poudre noire. Ça s'appelle comme ça. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Ah oui non, ça se fait pas là. Je suis en train de chercher, je me disais attends, je la vois pas la recette. Poudre noire. Donc on va avoir besoin de faire beaucoup de poudre noire, je crois que j'ai de quoi en faire. J'en avais 500, mais vu que j'ai utilisé des trucs, je sais pas comment je peux en... Bah 800, 900, je peux en faire 900. Bon, heureusement, on n'ira pas jusqu'à 900. Enfin, pas du moins pas pas tout à la main. On va faire un réacteur dorsal. Là. Wow. Je me demande si je vais pas le faire maintenant, le réacteur dorsal, même si j'ai pas de... Ah, mais si! Le réacteur dorsal, attends... Ça peut consommer du biocarburant solide. Ah, je vais faire ça. Hein. J'avais zappé que ça pouvait consommer ça. Hop, bon, j'ai fait 200 trucs là. On va faire un réacteur dorsal. Et c'est où? J'ai plus. Voilà, on va mettre ça sur le dos. Et là, oh là là, magnifique, wonderful. On va juste refaire un peu le plein. Le plein de ça. Voilà. Quoi? C'est quoi? Il s'est passé un truc chelou. Ok. Allez, débloquons nos technos. Là, on peut voler, c'est trop bien. Souffre. Il faut... Du câble, s'il vous plaît, du câble, est-ce que j'en ai? Non, ça, j'en ai pas, j'ai tout emmené là. Il faut 600 câbles. Je vais chercher le câble, il est pas très loin. Je fais une descente là, ok. Alors 600 câbles, tac, tac et tac. C'est vrai qu'on peut voler maintenant. C'est génial ça, c'est génial. Allez hop. Donc ça. On a notre détonateur en obélisque. Je suis à peu près sûr d'avoir déjà vu un obélisque traîner dans le coin. Je sais que j'en avais un à une époque.
Si je l'ai, j'ai même pas besoin de m'embêter à. It is most effective against organic material and is able to destroy small boulders and porous rock. Deployed nobilisks will stick to the first solid surface they touch and cue on the universal detonator. If you do not recall the order in which you deployed the nobilisks, remember fix it does not take responsibility for any harm caused due to human error, even if those errors are genetic. Tool belt expanded. I compounded sulfur's tristatic atom matrix into a quadrimensional gate vortex. You can now carry more stuff. Attendez quoi, Nobelisk? Mais si, regardez, ça m'a déjà débloqué la techno. Vis. J'ai rien. Bon, bah c'est impeccable. Donc il me faut des cadres modulaires, des vis. Ouais, j'ai peut-être pas dû passer par là, moi. Non, effectivement. Ah, là, par là. Ah non, la vis là, elle me sert à autre chose. Je crois qu'il y en a là de la vis. Hop, 500 vis. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Trop bien. Ah tiens, là, ça tourne dans le coin. J'ai vu le calcaire y tourner. Ah, les cadres modulaires, là on va chercher ça rapido. Ouais, bon, c'est. Ouais, bon, ça galère un peu. Hein. Je sais pas combien il m'en faut, je vais en prendre 200. Ouais. Au cas où. On voit les raffineries là-bas. Il y en a un paquet, hein. Mine de rien, avoir les réacteurs dorsaux, même si pour l'instant on sait qu'avec des matériaux un peu pourris, avec du biocarburant solide, ça aura plusieurs avantages. De 1, j'avais beaucoup de feuilles et de bois là que je pouvais pas transformer en biocarburant solide parce que mes réserves étaient déjà pleines. Et de 2, ça va pouvoir me débloquer certaines petites parties, petites constructions qui je pense. Avoir accès à certaines électrolimaces ou des trucs du genre. Je voulais faire un scanner d'objets, oui, parce que je l'avais utilisé. Allez. Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, on va y arriver. Merde, même alors si je fais un ça, ça va pas marcher. Ouais, ça j'en ai pas besoin. Allez hop. Donc voilà, on va pouvoir voir le magnifique chemin en direction du Catarium. Donc ça va, il est pas très loin, je crois que c'est du Catarium normal. J'ai plus, il me semble qu'on avait vu ça dans l'épisode d'avant, non? Ouais, normal, allez hop. On charge. On balance. On recule. Non, c'est pas ça. Et on explose. Ouais. Petite caillasse là. Voilà. What the... Ah oui, c'est la hauteur, c'est pas. Putain, je vais regarder comment on la pose. Wouah, attends, c'est quoi cette hauteur là? J'ai eu quand même un petit souci pendant un moment là. Bon, je suppose que là, si je fais ça, ça va peut-être me dire d'aller me faire voir, hein. Certainement me dire d'aller me faire voir. Oui. Pour une demi-hauteur.
Et là. Et là, tout là, j'ai une zone de construction possible. Unknown metal collected. This metallic element is showing properties similar to those in group 11 on the periodic table, such as high conductivity and malleability. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Oui. Ouais. Bon. Ouais, pas plus efficace que ça. Hein. Tiens, un peu l'eau des arbres là qui nous enquiquine dans le coin. C'est pas ça. Voilà, merci. Voilà. J'ai rajouté 5 de longueur parce que je sais pas du tout combien de fils de catharium j'aurais besoin, etc. Donc ça va être une route temporaire, ça produit combien, 120 par minute. Bon, allez, c'est bon, ça fera la café. C'est ballot ça. Petit loupé, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Hop, ouais, on fait quand même la jonction en électricité, faut pas déconner. La route elle est. Le chemin pour y accéder est un peu dégueulasse en soi. Cailloux, il y a des trucs partout là. Ah, il va pas manquer beaucoup de tiges, hein. Il va me manquer quelques-unes, mais en nombre raisonnable, je dirais. Possiblement une. C'est toujours cette tige qui vient pour t'enquiquiner, quoi. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Tout pile. Eh, j'ai... Comme quoi. J'ai été médisant. Hop, on est où? Oui, on est là. Ce que je voulais faire, c'était aller vider. Là, ça s'est remis à produire un peu, ça c'est bien. On va mettre les feuilles là, les feuilles. Hop. Le bois. C'est un coup à se péter les jambes, ça. Ouais. On va débloquer là quelques trucs de soufre. Non, on pourrait débloquer. Bon, ouais. Ah, si, je peux faire ça. Ça me demandait des rotors. Putain, que j'ai tout envoyé là-bas, quoi. Hein. C'est une dinguerie. Bon, on va stocker des choses là. Et ouais, bah surtout je vais stocker ça hein, parce que ça me prendre la place. Je voulais, oui, catharium. C'est la recherche. J'ai besoin de ça. The metal has been named Caterium after Fixit's greatest CEO, Caterina Parks. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability, and corrosion resistance. 120. Ça fait... Je suis con.
Ça me donne quoi? Non. Un peu chiant. Faire ça, 180. Faire 180, là on va faire 4 trucs de prod et puis on va faire. J'ai besoin de mon éclat de charge par contre. Hop là. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. T'as genre ça là. On va ramasser un peu ce qui peut traîner dans les... Hein? Ah oui, j'avais oublié que j'avais le... Oh mais attends, trop bien. J'avais le propulseur dorsal. Là, c'est vraiment génial. Pardon? Sort d'où les araignées? Je croyais avoir déjà démonté quelques fois là-dedans. C'est pas des araignées, hein. Ok, d'accord. Ok. Donc on avait dit 4 hauts fourneaux. Hop. Ah. Oui alors. J'ai oublié ce détail aussi qui n'en est pas un. Jusque là. 1, 4, 5, si je me trompe pas. J'ai besoin de 225. Ah bah non, je suis peut-être pour en faire un cinquième en fait. Parce que là, je peux mettre mon éclat de ça de charge. 180. Oh non, pas du tout. Ouais, il va falloir que je trouve un autre éclat de charge. Il n'y en avait pas un dans le coin par hasard? Pour pur hasard. Maintenant que j'ai de la hauteur, maintenant que je peux gagner un peu de hauteur. En vrai. Et trop limace. Apparemment, il y en a une là-bas dans le coin, là, par là-bas. Voilà, à tous les coups, celle-là. Ça me parle. J'ai déjà dû passer dans le coin à un moment. Ouais, j'ai foiré mon saut, là. Terrible, ça. Compliqué, hein. Bon, on est pas loin. C'est quand même plus facile pour y accéder avec ça. Ok. Voilà.
peut sauter. En fait, non. On ratterrit tout en douceur. Bon, non, en théorie, il était quand même censé prendre quelques germes. Ça, c'est pas bien grave. Ouais, bon, par contre, si je le transforme pas grâce à un atelier, ça va pas le faire. On a dit combien? 225? Bon, à peu près 225. Après en soi, voilà, sinon on s'en kikine pas. C'est très bien aussi comme ça. Donc... et 40, ça suffit. Il me faut double répartiteur. Oh, regardez, je m'en piquine pas ici. Ouais. Ça va être un peu chaud par contre pour l'entrée principale. Je sais pas si c'est quoi. Non. Ah, c'est, ça risque d'être compliqué. Peut-être le bouger, hein. Le tourner, le machin. C'est là pour faire arriver ça là. Okay. Droit, allez, je vais zapper. Quoi? Ah oui. Et je me dis aussi. Droit par défaut. Par défaut, ça fera plus propre. Là ça on voit, hein, par contre. C'est... Hop, on alimente quand même chauffe. Ah, ça va envoyer. Hein. Il va y avoir un sacré débit quand même. Hop. Donc, répartiteur et répartiteur. Répartiteur et répartiteur. Oui, alors le sacré débit, oui et non, parce que. Surtout oublié d'en mettre un. Oui. En fait c'est ça là qui me bloque là. C'est là hop je clique dessus mais en fait non. Là ça prend en compte ça quoi. C'est quand même pas de peau. Bon. Ça devrait se lancer. Comment ça pas d'alimentation? Oui. Là ça devrait se lancer bientôt. Voilà. Pas de minerai? J'ai pas fait lait, bah oui. Là, ça on voit. Ok. Et à partir de ça. Douze lingots. J'en sors combien du lingot? 15. J'en sors 15 x 5.
75 par 12, 6,5. Ouais, c'est chiant. J'ai la flemme. Donc, tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, j'ai dit combien ? Ah bah j'en ai besoin de 7. Donc 7. Contrôler, voilà. Tout ça là. Ça, ça passe pas comme ça, je sais. Ouais. On sort d'où ? Oui, mais on sort très peu, donc c'est bon. Il me demandait si je pouvais garder du MK1. En effet, je pouvais garder même du MK, MK pas grand chose. Faisons un détour. Voilà. Ah, chiant. Ouais, c'est quoi, je crois que j'ai un... Je sais pas en kikiner, là. Je crois que j'ai un truc, là, où je peux faire une rampe d'angle. Voilà. Hop. Et là, j'ai un rampe d'angle, mais dans l'autre angle. Non ? Non. C'est ça. Voilà. Voilà. Ça, j'arrive. Hop, hop, hop. C'est pas très beau, mais c'est pas très grave. Donc là, on a la sortie de nos machins de Catarium là. Donc là, le but est de mettre des groupeurs, des groupes. Ah, merci. Je sais pas si. Donc mes groupeurs, merci. On avait calculé avec du MK3 parce que j'ai pas beaucoup de MK2, quoi faire de MK2. Hop, et là on met nos répartiteurs. Je suis un peu loin.
doucement quand même. Là, je dois être bien. Impeccable. Ah oui, d'accord, j'ai fait l'entrée là. Je comprenais pas. Ok, j'ai pas fait les alimentations de tout ça. Dégage le bestiau. Hein. C'est pas ma faute. Hein. On n'a pas voulu bouger. Je crois que ça rapporte rien en plus, pas de viande, c'est juste. C'est juste chiant. En fait. Ah, voilà. Merci. On est d'accord, j'ai même pas eu un drop. Hein. Rien du tout, c'est. Je vérifie. Hein. Tant d'efforts pour si peu de récompense. Pour aucune récompense. On est... Voilà, puis à partir de là, on a notre fil actif. Donc on va tout regrouper. Groupeur qui sort de là. Groupeur qui sort de là. Et groupeur qui sort de là. Je suis un feignant. Hein. Alors par contre, tu as qu'une minute. Comment ça sort ? 60 par minute ? Ah ouais ! 120. 180, pardon. 360. Moi, ça fait sortir. Comment ça ? Mais si, c'est bon. Hop, là on va mettre un conteneur industriel, on a besoin d'en mettre 50. Un truc qui envoie du pâté là. Voilà. Comme ça j'ai mon fil actif, il me faut quelques lingots. Hein, si vous vous souvenez, pour ma recherche là, il me fallait des lingots. Un peu de fumée là, excuse-moi. En train de mourir de cause de décès là. Ah, ça envoie. Hein. 60 par minute quand même. Donc là on a 120, 180 plus 180, 360 plus 60, 420 pour une logistique qui peut emmener jusqu'à 480. Donc on est correct. Je vais attendre d'en avoir. Attendez. C'est 50 ça. Aïe, il va falloir un bon 1500 je crois. Attendez. En sortie je vais avoir 400 mètres cubes de carburant. Attendez, je regarde.
prend combien en sortant mon entrée, tout ça. Combien que ça me consomme Y'a pas, j'ai pas la conso. Comment ça? Si. 20. Ah, 40. Ah oui, donc il m'en faut 2000. Il me faut 2000 fils actifs. Bon, tu me diras la vitesse à laquelle ça se fait. Voilà, ça devrait se faire plutôt tranquille. On va aider le machin à se vider là déjà. Voilà. Et là, on est vidé d'un côté, l'autre côté va aussi se vider plus vite. Voilà, ouais. Hop, on va envoyer tout le fil actif. Donc un bon 2000, un bon 2500, je dirais. J'espère que ça enregistre parce que... Ça va pas afficher, ça c'est pas normal, j'aime pas. Ok, ça produit bien. C'est bizarre ça. Pourquoi il y a MK3 hein? Eh ouais. Petite erreur de ma part là. Je comprends maintenant pourquoi j'avais une différence. Ici c'était vide. Enfin c'était pas plein, voire très peu. Bon là c'est normal. Et là c'était plein là-bas. Bah, maintenant je comprends. J'ai mis du MK1 et pas du MK3. Fait une bonne production tout ça encore. Encore qu'on a dans l'inventaire, c'est fou ça. J'ai l'impression de passer le temps à trier l'inventaire. Un jour, alors je sais pas si ça existe. Bah ouais, si ça doit exister. Faire un trieur. C'est un peu comme si pour ceux qu'on joue à Minecraft, faire des banques. En gros. Enfin, moi ça c'était mon truc à l'époque où je jouais à Minecraft. J'en ai marre de trier les trucs, dire ah ouais là c'est dans le coffre, l'autre coffre, qu'à l'autre bout du machin. Ah non, c'était chiant. Donc je faisais des gros systèmes de tri, mais vraiment des trucs. De temps, ouais, quoi. C'est chaque objet son truc. Hein. Chaque objet sa lignée de coffre. Hein. Il pourrait y avoir, je sais pas combien de coffres dans la lignée, mais chaque objet sa lignée de coffre. Et je foutais tout dans un, tout arrivé dans un coffre, que ce soit les matériaux bruts, on peut le fer, bah allez hop, le fer brut, le fer miné, là il arrivait là-dedans. Et j'ai même fait des trucs où, genre, ça détectait si c'était du fer miné. Alors ça envoyait directement dans les fourneaux, enfin tout ce qui pouvait se faire cuire, hein, c'était envoyé dans les fourneaux. Le reste, c'était pas envoyé dans les fourneaux. C'était envoyé direct en stock. Et après je me suis dit, ouais mais c'est chiant parce que des fois il y a des trucs qu'on veut pas forcément faire cuire. Donc j'ai un moment j'ai dit, ouais non, on va envoyer spécifiquement. J'aurais dû faire un système, enfin un truc en mode bah là je le mets à gauche ça va cuire, je le mets à droite ça va pas cuire, ça va envoyer direct en stockage. Ouais tiens, j'aurais pu faire ça. Bon bref, on est bientôt au 2005, tac, là on a 2000, attendre que ça se remplisse tranquillou. Fabrication industrielle, pourquoi fabrication industrielle, j'en ai besoin. Je débloque un truc avec ça. C'est pas pour le fil actif de base. Oh, c'est bizarre ça. On va voir. Voilà, on a presque ce qu'il faut. Voilà. Wouhou. Et là en plus, d'ici, j'espère, max 5 épisodes. Ouais, j'espère vraiment max 5 épisodes. Hein. On devrait avoir la décathlon. Ouais, j'espère même d'ici l'épisode prochain ou celui d'après. Hein. Oh. Alors, une catharium, voilà, on va lancer la recherche.
Ah mais attends. Récompense lingot. Ah j'étais pas censé pouvoir le... Ok. Research completed. Caterium ingot recipe unlocked. Putain, on a la tyrolienne. C'est de la merde. I will now assume you are an expert and judge your use of these technologies. Ah, j'ai confondu. Accordingly. À un moment, j'étais content, je me dis ah, trop bien, on a non, technologies you are about to use, by all means, ah, je peux pas utiliser plus parce que là, c'est bien d'avoir des poteaux électriques MK2. Very efficient. Also, rude. Ça peut me servir à grand chose. Donc. Ça dégage. On va aller vider tout ce qu'on a en trop là. J'ai pu me rattraper à l'échelle. Hop, ça. Feuille. Ça dégage. Ça. Bois. Ça dégage. J'ai débloqué des trucs là-dedans. J'ai débloqué quoi? Ah. Non. Minère, ouais. Ah, j'ai peut-être débloqué des choses là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de bordel, peut-être. Catarium, ouais. Ça, on s'en fout. Ok. Ma question, c'est maintenant, est-ce que j'ai de quoi faire tous mes générateurs, mon caoutchouc? Ouais, ça, je m'en fous. Bon. Quoi ça? Parce que c'est bien de dire. Ah oui, c'était cadre modulaire pour. Oui, d'accord, non, c'est bon. Bon. Bah, on a le catarium pour les. Pour les machins là, pour les. Générateur à carburant, ça. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est vu la taille des générateurs à carburant, je me demande si je vais pas encore devoir agrandir tout ça quoi. Ça. Ah, sympa le point de vue avec les arbres et tout. Ah, un petit arbre de paix là. Ouais, une petite électrolimace aussi. C'était pas prévu ça. Mais tant mieux. Ouais, j'aurais jamais la place d'avoir tous les. D'avoir tous les générateurs ici. Hein. Donc, bah, on agrandira par là. Hein. Pas le choix, j'ai l'impression. Un bon agrandissement là, comme ça. Je préparerai ça pour l'épisode de le prochain épisode. Hein. Vous connaissez. Là, je vais juste vider mon inventaire de béton. Hein. Hop, voilà. Là, je devrais avoir un peu plus de place pour mettre mes générateurs. Bon. Eh ben moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cet épisode dans lequel on aura fait le catarium. Voilà, ça bougera pas jusqu'à ce qu'on en ait besoin pour peut-être une production ou une autre. À un moment je saurais pas dire. Bah non en fait, on va pas là-dedans. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Hop, et moi, bah, je vous propose, comme d'habitude, de me retrouver très bientôt pour le prochain. C'était Thiob. Ciao!